petits potes, c'est Rookie. Aujourd'hui, on se retrouve pour un gameplay avec la MCW qui a été buff récemment au début de la saison 4 avec ses dégâts qui ont été légèrement augmentés mais qui la rend du coup forcément un peu plus puissante qu'elle ne l'était déjà. Et je l'ai testé du coup, vous verrez deux gameplays, le gameplay principal en solo duo et un petit top 1 en solo avec la classe que je vais vous présenter tout de suite. Qui est une classe qui a très peu de recul du coup et un profil de dégâts qui franchement maintenant est très correct. Alors c'est pas l'arme méta, on va pas se mentir, mais si vous voulez changer, elle est très très viable. Donc canon long MCW Cyclone 16,5 pouces pour tout ce qui est portée de dégâts, vitesse des balles, le silencieux VT7 Spirit Fire également pour tout ce qui est vitesse des balles, portée de dégâts et un petit bonus de contrôle de recul. Contrôle de recul qu'on améliore également avec la poignée lourde de soutien brain, surtout pour tout ce qui est recul horizontal. Le chargeur, 60 cartouches, le maximum, parce que j'étais en solo versus duo à un moment, et puis aussi parce que comme ça vous êtes confortable avec vos munitions, et surtout, surtout si vous faites du solo versus duo comme moi. Et enfin, en viseur, vous mettez celui que vous voulez. Moi, pour moi, j'ai mis la lunette Jack sans verre. Voilà. J'espère que vous kifferez bien le gameplay, et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao tout le monde! Chose à moitié.
Ennemis déployés dans la zone. Surveillez le ciel.